Plus d'un millier de biens dans le monde sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, plus de 800 sites culturels, près de 200 naturels et une trentaine de sites mixtes. Qu'est-ce que l'UNESCO ? L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO en anglais, fondée en 1945 et dont le siège est à Paris. Elle a pour objectif principal d'assurer le développement de l'éducation et de la culture et d'œuvrer à la paix par la compréhension entre les hommes. Sous la bannière Patrimoine mondial, elle classe, au titre d'une convention adoptée en 1972, les plus beaux sites du monde. Elle encourage la coopération internationale entre les 163 États parties y adhérents pour sauvegarder le patrimoine commun de l'humanité. Catastrophes naturelles, pollution, braconnage, urbanisation sauvage, développement incontrôlé du tourisme, conflits armés ou guerres peuvent mettre un site en danger. Une cinquantaine de biens sont ainsi inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et parce que les sociétés humaines expriment également leur identité au travers de la langue, la musique, les traditions orales héritées des ancêtres, les savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel ou encore les pratiques concernant la nature et l'univers, parfois menacées aussi de dégradation ou de disparition, en 2003, l'UNESCO a adopté une convention pour protéger le patrimoine immatériel de l'humanité qui comprend plus de 300 éléments. La liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente répertorie par ailleurs 34 traditions considérées comme fragiles ou menacées.